Et voilà un autre dossier que l'on croyait enterré et qui refait surface, celui du parking souterrain au Pérou, à Montpellier. Cette fois, c'est le député UMP Jacques Domergue qui sort du bois, bien décidé à faire plier le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, avec lequel il s'est entretenu aujourd'hui à Paris après sa question au gouvernement. Ce projet n'avait pas abouti à cause d'un avis défavorable des Bâtiments de France. L'idée, également soutenue par la mairie de Montpellier, serait donc de construire un parking souterrain sous la actuelle promenade du Pérou. Il suffit de déplacer Louis XIV de quelque part, de creuser et de faire un parking et de remettre en l'état la surface du Pérou. On ne va pas toucher à la promenade du Pérou. Elle va rester telle qu'elle, même je pense qu'elle sera embellie. Mais par contre, en dessous, on a de quoi faire un parking. Écoutez, on a fait une pyramide sur la place du Louvre. Bon, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire un parking sous le Pérou. Un rendez-vous qui a visiblement porté ses fruits, Frédéric Mitterrand viendra donc à Montpellier le 2 juillet prochain.